Pour le groupe FDA, Madame Kuckermann. Oui, merci Monsieur le Président. Nous voterons ce vœu, même si comme vous, je pense que le montant envisagé est bien en deçà des besoins et des réalités. Je tiens quand même à rappeler que depuis le 26 septembre dernier, un collectif d'usagers, un collectif d'élus, d'ailleurs, ont relancé la défense de la ligne entre Bouin et Thiers. Et ils invitent d'ailleurs très massivement l'ensemble des élus à se retrouver dimanche prochain en gare de Noirétable. Gare, j'y mettrai des guillemets aujourd'hui quant à sa mutualisation. Mais puisque le gouvernement nous annonce cette volonté de réouvrir des lignes de partout dans notre territoire, notamment des lignes dites en tout cas des petites lignes, eh bien nous les prenons au mot et nous les attendons, y compris dans la renégociation des CPER, parce que ce n'est pas la région seule qui viendra compléter le désengagement de l'État. Et malheureusement, dans ce pays où certains ont accompagné la casse de la SNCF, véritable service public, nous avons en tout cas de grands soucis à nous faire pour réellement mailler par un véritable service public ferroviaire l'ensemble des territoires de notre région. Je vous remercie.